François Olivier Gisbert. Bonjour Sonia Mabouk. Merci de votre présence. C'est votre grande interview sur CNews News Européen. Éditorialiste, écrivain, vous êtes l'auteur notamment de la trilogie à succès sur l'histoire intime de la Ve République. Une histoire forcément ponctuée par des voyages présidentiels. C'est le cas en ce moment euh, du voyage au Maroc du président Emmanuel Macron, entouré de nombreux ministres, accompagné d'une surprenante délégation. Je vous ferai réagir à une présence en particulier dans quelques instants. Mais tout d'abord les enjeux, François Olivier Gisbert. Une moisson de contrats, est-ce que c'est aussi l'occasion ce genre de déplacement de faire avancer les choses notamment par exemple sur le sujet de l'immigration, les fameuses QTF, Bruno Retailleau y tient particulièrement. Oui, mais enfin il y a autre chose aussi. Il était temps de rétablir des relations normales avec le Maroc. Euh, depuis qu'il est arrivé, et euh, Emmanuel Macron faisait comme s'il n'y avait qu'un seul pays dans le Maghreb. En gros, euh, c'est l'Algérie. Bon, il n'avait pas compris une chose absolument fondamentale, c'est que les dirigeants algériens ont besoin de la France. Ils ont besoin de la France comme bouc émissaire pour expliquer que c'est à cause de la France que euh, l'Algérie en est là, malgré son gaz, malgré son pétrole. Euh, L'Algérie n'est pas en très bon état économiquement. Et donc c'est normal aussi de s'intéresser, c'est à ce pays qui a toujours été, enfin jusqu'à présent, tous les dirigeants politiques français, tous les présidents, ils ont toujours fait en sorte voilà d'entretenir des relations avec les deux. Le Maroc existe, le Maroc est... Un grand pays, c'est comme 37 millions d'habitants. C'est une richesse nationale par habitant qui n'est pas loin de celle de l'Algérie. C'est à, à 5000 5000 dollars. Vous voyez, ils sont pas loin de l'Algérie. Et par habitant, c'est pas beaucoup, mais c'est un pays pauvre. Mais c'est un pays qui travaille, c'est un pays qui qui innove, c'est un pays qui invente. C'est bon. Donc il donc faut. Il est bah, enfin, il a découvert que le Maroc existait. Et c'est d'une visite, d'un déplacement pour oublier euh, l'humeur euh, de la, gla la glaciation de cette période et, et tout cela. Oui. Bah, enfin, on dirait, mais attendez, ça fait ça va, sept ans. Sept ans sans relation, pratiquement tout ça parce que euh, quand il est arrivé, il a cru qu'il allait pouvoir, euh, comment dire, effacer euh, des, des dizaines d'années d'histoire entre la France et l'Algérie. Non mais c'était complètement infantile. Et, et euh, faut bien voir que c'est un pays qui compte, c'est un pays important avec des dirigeants politiques. Je pense notamment à cette dynastie incroyable entre Mohamed V, euh, Mohamed VI maintenant, et puis euh, Hassan II qui était un, un personnage fascinant. Moi, et Alors, vous avez bien souvent, connu, bien, bah, sûr. Oui, bien sûr, et qui était comment dire, euh, qui avait une culture folle. Enfin, c'était, ce sont des grands, personnes personnages. Il est temps d'y aller, évidemment, parce que le, le Maroc, euh, comment dire, c'est une partie de la France. Et vous parliez justement de, de l'immigration. Bah ah, oui, ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas de, il avait pas de tabou à parler de ce sujet-là. est -ce que, est-ce que bon. c'est l'occasion d'une telle visite? Le ministre de l'Intérieur devrait vouloir faire avancer ses pions, mettre sur le devant de la scène les fameuses OQTF. Est-ce qu'un est qu tel voyage peut permettre de faire avancer les choses Je ne crois pas. Ça ne se passe pas pendant les voyages. Mais les voyages, en tout cas, c'est important parce que ça veut dire voilà, c'est fini. On, euh, cette espèce de bouderie absurde, enfin, du fait de la France. Euh, du fait de la France, parce que je pense que qu'on a maltraité le Maroc, ça, je, je le pense profondément. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de grandes. Bah, je pense par exemple à Tar le, le romancier, euh, a écrit des papiers très sévères sur la politique de Macron à l'égard du Maroc. Ce n'était pas normal. Une délégation importante, France Olivier Gisbert et une présence étonnante, celle de Yacine Balatar, qui n'a pas été annoncée au départ en tous les cas dans la première mouture de la délégation française. Yacine Balatar je le rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs a été condamné pour menace de mort il avait déclaré aussi qu'il n'était pas Charlie, qu'il n'était pas Nice après les attentats oh bah proche, ou ça, ouais, ça... Oui, proche du CCIF dissous depuis par Gérald Darmanin, c'est celui-là même aussi qu'Emmanuel Macron avait reçu quelques jours avant la fameuse marche contre l'antisémitisme et qu'il lui aurait justement Déconseiller euh, euh, d'y aller. Comment vous réagissez à une telle présence Comment vous l'expliquez Écoutez, ça ne m'étonne pas. Euh, C'est du Macron, tout simplement. Vous savez, je le dis ça avec tout le respect que je dois à sa fonction. Euh, il me fait penser toujours euh, à ces conducteurs de voitures en état d'ébriété euh, qu'on voit sur les routes, vous savez, qui donnent des grands coups de volant à droite, puis après des grands coups de volant à, à gauche, qui pile, qui réaccélère, etc. C'est, comment dire, quelqu'un qui n'a pas de continuité. C'est quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, on l'a souvent dit, mais et qui en plus euh, travaille un peu dans le discontinu. C'est comme ça, comme ça. Et voilà, on en arrive là, c'est-à-dire, mais ça c'est quoi C'est de la com euh, C'est pour faire parler de lui Enfin, c'est absurde. Ce n'est pas un comportement d'homme d'État. Un homme d'État ne doit pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire Après, euh, je ne veux pas parler du cas de M. Benatar ou des autres d'ailleurs, parce qu'il y a, a d'autres invités aussi qui sont étranges. Mais euh, c'est la sphère d'influence, semble-t-il, du président. De la République. On rappelle que lui en particulier avait été euh, nommé au Conseil présidentiel des villes. Ah non, vous croyez que c'est juste de la crois qu'il n'a pas de sphère d'influence parce qu'il il sait toujours le jour, il ne sait pas où il va. Et c'est pour ça qu'il a abîmé la France. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de ligne, il n'a pas de continuité. Il faudrait qu'il s'achète un, un corpus idéologique sur Internet, vous voyez, pour avoir un minimum de conviction. Ça, on voit très bien, c'est l'absence de conviction. C'est la preuve qu'il y a zéro conviction. Le corpus. Parce est... que demain, ça va être autre chose et c'est pas grave, il s'en fout. Et il recommence parce qu'il est dans la com, ça fera parler, ça fait le buzz. Tout ça est absurde. Ça fait parler, ça peut blesser, ça peut avoir des conséquences très importantes quand il s'agit évidemment de propos sur la scène internationale. Les mots d'Emmanuel Macron ne passent toujours pas. Nous avons un reportage ce matin, notamment sur CNews, de franco-israéliens qui disent, pour certains, François-Olivier Gisbert, que le président, qu'Emmanuel Macron n'est même plus leur président. Les mots, quand même, sont forts, ils ont un, un sens. Comment vous analysez cela c'est encore cette stratégie euh, sans, oui, sans GPS, sans GPS Je crois que c'est une absence totale de stratégie. Vous savez, gouverner, euh, de Gaulle disait ça, c'est être dur. Je crois que gouverner aussi, c'est savoir à peu près où l'on va, même si c'est difficile par les temps qui courent. Et lui, il n'est pas du tout là-dedans. Il est au jour le jour. Quand on parle de court-termisme, oui, c'est au jour le jour. Et euh, c'est une opération de com après une opération de com. Donc Toutes on peut passer d'une coalition contre le Hamas aujourd'hui à ne même plus euh, parler du Hezbollah dans une phrase oui, pour dénoncer oui, euh, un terrorisme. C'est fou, bien sûr. Et puis là, voilà, on, on se couche devant le premier venu. Peut-être parce que peut-être sur l'influence du Qatar, parce que vous savez euh, l'endettement de la France. Hein, parce que c'est quand même Monsieur 1000 milliards d'endettement, plus de 1000 milliards, 1200 milliards. d'endettement. Mais reconnaissons qu'il n'est pas... Emmanuel est... Macron. Oui, oui, mais... Il y a eu l'endettement. Il y a une situation qui dure trop... depuis des années, oui. Oui, enfin, cette situation, excusez-moi, il n'a rien arrangé. Et euh, on, il faut parler de l'endettement, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que euh, c'est pas très bon pour euh, notre indépendance et notre oui, je souveraineté. Je vous ai interrompu, c'est-à-dire On est dépendant, on, on a été dépoussé de bah, euh, le, oui. le, le Qatar, la Chine, enfin, le Qatar, quand il est accueilli, quand même, du Qatar, on a l'impression que c'est le patron de la France. Et puis, s'il vous plaît, et puis, voilà, on ouvre les portes, on tapit rouge, etc. Parce que, bah, le Qatar euh, est un de nos créanciers. Vous savez, quand on, en, quand on emprunte, on a des créanciers. Et ces créanciers, ils ont un peu de pouvoir, toujours, et c'est normal. C'est très malsain. Et je trouve d'ailleurs cette attitude par rapport au Hezbollah est très malsaine, parce que le Hezbollah, il suffit de... Mais ça, euh, Macron, euh, on se dit souvent, enfin, je veux dire, il n'a pas lu de livres, il n'a pas de culture euh, politique. Mais enfin, le Liban, euh, les Libanais, quand on connaît les Libanais, quand on vit avec les Libanais, les Libanais, ils n'aiment pas le Hezbollah. Enfin, en, en majorité, sauf quand ils sont chiites, pro-iraniens. Mais ils sont rarement chiites, pro-iraniens. Il y en a quelques-uns, oui, un petit tiers du pays, mais c'est pas... Comment dire, le, le Liban comment dire, et le, le Hezbollah, c'est pas la même chose. Pourtant, et Emmanuel Macron a souvent affiché sa proximité, voire une forme de. Comment dire, de, de, de très. De presque d'amour, si j'ose dire, pour ce pays. Ah, mais il a, raison. Cas, par rapport à la il a raison, mais il ne le connaît pas. Parce que quand il attaque la classe politique euh, libanaise en disant qu'ils sont tous pourris, enfin, il ne sait pas que c'est le Hezbollah qui dirige tout au, au Liban depuis des années. Et que euh, d'ailleurs, à l'occasion de cette crise, on voit très bien que la classe politique euh, libanaise, à travers son premier ministre, essaie de reprendre un peu la main et veut, respect, veut qu'on respecte... La, la célèbre résolution 1701 de l'ONU qui euh, demande le désarmement du Hezbollah et qui part, ce sont des pro-Iraniens, ils n'ont rien à faire au Liban. On a vu la situation internationale, en tout cas la voix de la France. On est passé par la situation migratoire, situation financière. Quel diagnostic alors faites-vous du, du pays, France-Olivier Gisbert, hier à votre place pour cette grande interview Philippe de Villiers avait dit que le pronostic vital de la France était engagé. Et puis, il, il dénonce la responsabilité des politiques. Il évoque une Assemblée nationale qui fut une annexe, dit-il, de l'Académie française avec Denio, Perfit, ça vous parle, Giscard. Et puis aujourd'hui, dit-il, c'est l'annexe de la fabrique. Des crétins numériques, il a raison. Oui, je ne dirais pas ça de toute l'Assemblée nationale, mais il y a quand même une partie de l'Assemblée nationale, vous voyez ce que je veux dire Il on parlait la gauche ZAD. Hein, oui. C'est la ZAD, hein. c'est quand même, euh, voilà, euh, c'est très étrange, on se demande, euh, enfin, ça ressemble plus à une démocratie normale. Bon, je pense qu'il ne faut pas s'habituer. Je pense que d'abord, je pense que la France n'est pas fichue, euh, de loin, Bon, il y a énormément de problèmes, il y a des problèmes à régler qui ne sont pas réglés. Parce que l'histoire de l'immigration, c'est toujours le même sujet. Moi, je cite toujours ces chiffres parce que je pense qu'il faut les citer, il faut que les Français le sachent. Euh, l'immigration, c'est 326 954, premier titres de séjour, l'an dernier. Vous rajoutez 167 956 demandes d'asile. Et vous rajoutez également 30 100 papiers qui sont régularisés, régularisés c'était la loi Valls. Ça fait 524 000. Et j'ai appris, euh, par an. comme tout le monde, par an, enfin par an euh, en 2023, Bien sûr. et j'ai appris que il euh, y avait peut-être entre 600 000, 900 000 clandestins. Vous rajoutez ça, vous arrivez à 600, 700 000 peut-être, c'est-à-dire l'équivalent d'une agglomération comme Toulouse, comme Bordeaux, comme Nantes. Qui arrive comme ça sur la France et il n'y a pas de préparation, il n'y a rien. Étonnez-vous que ça ne marche pas On a besoin d'immigration, évidemment. Il suffit d'aller dans les restaurants et de regarder ce qui se passe dans les cuisines. Euh, euh, C'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, il euh, y a toute une partie de notre, oui, de notre milieu économique qui a besoin qu d'immigration, mais pas immigration cette immigration de masse. Est une mais chance. Mais, ou un problème. Ah ben, c vous avez vu chance, la différence est entre une chose et, et bredons, Non, non, mais c'est non, mais euh, il a raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'immigration de masse, évidemment que c'est pas une chance. L'immigration, c'est une chance quand elle est contrôlée, quand elle est choisie, quand il y a, y a un travail. Et là, c'est quoi C'est-à-dire on reçoit, on accueille, on, on ouvre des centres d'hébergement. Tout ça est complètement absurde. Et Là, on retrouve, si vous voulez, le côté euh, comment dire pas de stratégie de d'Emmanuel Macron est et de son que... ministre de l'Intérieur, oui. Est-ce qu'il y a un volontarisme aujourd'hui que vous reconnaissez Ah bah oui, bien, évidemment, oui. Bruno. Ah bah c'est notre école aussi, parce que il bah y a la culture. C'est un Bruno gouvernement Othagno... avec un premier ministre, c'est un président non, il... de la République. Il... il y a une culture, il y a l'histoire. Il y a, oui. bon, enfin, bon, bref, euh, il, y a, il y a une réflexion. Je... Et puis il y a, comment dire, une ligne. Je pense que c'est ça. Ligne, qui mais il y en a qu'une seule. Mais non, mais il y a une de ligne. De je la différence entre l'intérieur et la justice, François olivier Jusba Vous avez écrit sur. C'est une autre sur... ligne, oui, c'est une autre ligne, mais mais bon. Alors combien après, de lignes, combien de divisions, Emmanuel Macron Après, c'est normal aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours, comment dire, une sorte de débat entre le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice. Franchement, c'est normal et c'est bon du point de vue démocratique. Moi, je trouve que c'est après simplement c'est que de temps en temps, le ministre de l'intérieur peut avoir le dernier mot. Euh, autre sujet, France, Olivier Gilbert. On, on, quand même, un mot sur le budget, c'est très important. L'utilisation du 49.3 est-elle inévitable Est-ce que pour vous, c'est un, un outil contre la démocratie Ou alors, pas du tout Il fait partie de la Constitution, puis le Premier ministre finira par l'utiliser je pense que c'est un outil contre les ganaches qui ont multiplié des amendements débiles. Enfin, comment dire, vous savez, les, les crédits d'impôt pour les propriétaires de chiens et de chats parce que les croquettes ont augmenté, enfin ce genre de choses. Alors, on est dans la démagogie la plus basse et euh, l'Assemblée nationale a donné une très mauvaise image. Et je pense que le gouvernement, aujourd'hui, quand il va faire le 49-3, ce ne sont pas les canons 3-3 rapides comme pouvaient l'être ceux de Mme Borne, ce sont des 49,3 là. Euh, je pense que les Français vont se dire enfin, oui, ben, il était temps. Que, il était ça. temps parce que euh, c'est vrai que euh, on a l'impression que ces, ces députés ne lisent pas les journaux, ne sont pas au courant de la situation économique de la France, qui est grave. Je le disais tout à l'heure. Euh, Emmanuel Macron, il a abîmé le pays. Et on, on parle de politique étrangère, et j'espère qu'il ne s'en mêlera pas trop et qu'il fera atten attention dans les, prochaines, euh, dans les prochaines années, parce qu'il y a encore deux ans et demi à tirer. Et euh, parce que, euh, justement, il n'y a pas de ligne. Et il faut essayer de retrouver une ligne. Vous savez, la ligne, par exemple. De vous avez travaillé avec lui, vous avez été d'ailleurs l'un des premiers, je crois, Nicolas Bedos, euh, à le mettre beaucoup, en oui. scène, oui, dans une émission. Alors, il a été condamné en première instance, je le précise, à un an de prison dont six mois ferme pour des D'agression sexuelle. De l'avis de certains, cette condamnation tranche avec la faiblesse d'autres verdicts pour des crimes et des, des délits, disent-ils, bien plus graves. Comment vous avez bah, réagi De l'avis de certains, vous avez très bien réagi. Ah oui. certains... non, non. non, non, mais c'est évident que là, on a voulu faire un exemple. Euh, les juges pour se vous. sont payés. Pour Nicolas Baudos, bah oui, évidemment, pour faire un exemple, puisque euh, c'est quand même une condamnation euh, très violente. Pour quelqu'un qui est accusé d'avoir commis des gestes déplacés, ce qui nie d'ailleurs, mais euh, qui nie pas dans revanche, qu'il était dans un état d'ébriété. Bon, simplement la condamnation est extrêmement lourde. Et là, si vous voulez, l'idée que les juges aujourd'hui, mais de toute façon, ils ont perdu la tête, ces juges-là, qui sont là pour faire des exemples. Mais où est-ce qu'on est, qu est, est Les juges, ils sont là pour juger en droit qu'est ce que vous répondez important le droit france oblige à ceux qui disent mais une telle condamnation peut faire œuvre... De pédagogie sur ces sujets-là. Mais tu vous parles, enfin, écoutez. Enfin, euh, le, 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 le type là, euh, qui a euh, traîné un policier euh, à Nantes euh, dans, dans un refus d'obtempérer, euh, d'ailleurs, c'était un mineur, bon, il a fait quoi Il a 35 heures de, de, de travaux d'intérêt général, c'est-à-dire, de toute façon, il ne s'est pas présenté parce que les, vous savez, quand vous êtes condamné à une peine d de, de, de travail, d de travaux d'intérêt général, vous savez que vous ne la ferez pas. Hein vous ne la ferez pas parce que c'est comme ça, parce que c'est. Donc il a été règle. jugé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a fait. Bah, totalement bien sûr mais là, là on a vraiment euh, c'est une dérive totale de la chute on assiste depuis quand même un certain nombre d'années à une dérive de... mais c'est la, la, la faute aussi de la faiblesse du pouvoir politique vous savez euh, le la nature a horreur du vide la politique aussi et si la politique euh, comment dire qu quand le, la politique ça fait c'est un peu le cas quand même depuis des années il euh, y a d'autres pouvoirs qui s'installent euh, le Conseil constitutionnel aussi enfin c'est le Conseil constitutionnel est plus politisé qu'il ne l'a jamais été ce, ce qui n'est pas normal on verra est. Général, On sera pour euh, Gérard Depardieu. On sait que le procès a été reporté pour mars 2025. Il nie également les faits euh, de, de, euh, qui lui sont reprochés d'agression sexuelle. Euh, là encore, vous dites. Euh, Alors attendez, moi quand même, une fois que j'ai dit ça, je, je, je critique, mais euh, j'ai toujours confiance en justice. Hein. Bon, il y a une partie de la justice qui est très politisée, c'est évident. Euh, bah, il suffit de regarder, d'ailleurs, euh, euh, comment dire, sur les intentions de vote, les études qui ont pu être faites. Enfin bon, il y, y a beaucoup là de, de les mais il euh, y a aussi euh, des juges qui jugent en droit, et Dieu merci, et même il y en a encore beaucoup. – Il faut les saluer. Merci bah oui, François-Olivier salue, Gisbert. – Et on les aime. – Bien sûr, voilà pour la déclaration. Bonne journée à bientôt. – Merci à vous. – Merci François-Olivier Gisbert, merci Sonia Broca.